Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tupac ou tu craques sur Senseiya Awakening. Aujourd'hui, on va parler de la bannière rerun Shiryu God Class. Avant de commencer bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, tu peux activer la petite cloche pour les notifications, ça peut aider pour les prochaines vidéos qui sortiront ou les petits concours qui arrivent. Mettre un petit like bien sûr, ça fait toujours plaisir et n'hésite pas à participer dans les commentaires. D'ailleurs, petite info, Dimanche, petit live de prévu dans l'après-midi, début d'après-midi, et il y aura sûrement des petits cadeaux Huawei à gagner. Allez, dernier petit truc avant d'attaquer. J'avais fait un, enfin, un pari, mais quelqu'un m'avait lancé le défi de, voilà, si je pouvais hypnose eh il fallait que je prenne un t-shirt avec Je suis Robert. Et eh bien vous savez quoi, regardez, admirez. Voilà, ah ben on va pas voir avec le micro. Hop là, voilà, je suis Robert avec Hypnos. Il est là, avec les petites étoiles sympas. Eh bien oui, parce que j'aime bien aussi relever les défis. Donc voilà, le t-shirt, je suis Robert, les étoiles, Hypnos est dans la box. On est pas mal pour le Lucky 4. Je suis pas encore au dernier palier, mais bon, voilà, c'est fait. On va maintenant répondre à la question ensemble. Est-ce qu'il faut paquer ou craquer sur cette bannière rerun Shiryu GC Alors, chia-yu GC, c'est un gros personnage, personne n'en doute. Il est hyper présent en PvP dans un peu tous les modes. Il est très fort. C'est un rerun, donc il a déjà été là. Et surtout, information à prendre en compte, il va être ajouté au pool de base ensuite. Donc, très clairement, au vu de ce qu'il y a eu avant, il y a eu Hypnose 2 semaines qui a fait très très mal, qui a bouffé plein de tomes. Là, on a une bannière pendant une semaine un peu plus cool. Bon, c'est sûr qu'il faut Pâques. Là, clairement, la consigne universelle, c'est Pâques. Même si vous avez peu de shards, quelqu'un qui me dirait, genre, il me manque 10 shards pour avoir chez UGC, qui est un très bon perso, encore une fois. Oui, d'accord, mais limite. C'est mieux de les demander à la Légion. Tu les demandes à la Légion, ça ne va pas te coûter 30 gemmes ou 40 gemmes pour les avoir, les shards. Parce qu'encore, c'est toujours pareil, les shards, ça dépend de la chance. Moi, ça m'est arrivé de faire une multi de 10 et d'avoir une shard ou de ne pas en avoir. Donc c'est pareil, juste 10 shards, ça peut être long à avoir. Donc c'est vraiment pas intéressant d'aller pool sur cette bannière, même s'il vous manque quelques shards pour l'avoir ou même pour aller chercher un doublon, je dirais. Parce que derrière, il y a de grandes, grandes rumeurs comme quoi ça serait Gemini Cannon. Qui va arriver d'ailleurs, canon de l'affiche va être en ligne sur le site dans très très bientôt, très peu de temps en fait. Et c'est encore un gros personnage qui va bouffer plein de tomes, fait à peu près une vingtaine, et qui peut faire vraiment très très mal. Donc je sais pas ce qu'ils ont les, les devs en fait avec les gémeaux, c'est un truc, euh, dès qu'ils sortent un gémeau, ils le foutent euh, à bloc le truc. Donc bon, attention, gros personnage en approche dans tous les cas, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera sûrement celle d'après. Donc là, il faut pas qu il faut pas que profiter justement là du Lucky Cat, essayer de monter vos paliers au maximum pour récupérer le max de gemmes et se préparer soit pour Gemini Cannon ou si vous voulez le skip parce qu'il est skippable, Attention, il est vraiment très axé PVP. Peut-être. Pour un autre personnage ensuite. Voilà, mais là, cher UGC, c'est clairement pas le moment d'aller craquer des gemmes maintenant sur lui. Même encore une fois, si vous l'avez pas, je pense pas que ce soit judicieux. Surtout qu'il a pris quand même un bon nerf avec Hypnos. Donc si vous avez Hypnos, vous l'avez dû le voir aussi en GD, euh, un petit coup de cauchemar. Double cauchemar parce que Charyu va jouer deux tours quand il met son bouclier, mais ça le neutralise énormément. Je veux dire, il fait plus rien, il fait plus de contre et tout ça, donc vous êtes quand même pas mal pour le tomber, ou en tout cas, il vous embête beaucoup moins. C'est pareil avec Isaga, tout ça. Donc il y a plein de persos qui ont perdu beaucoup d'utilité à cause d'hypnose. Et là, chez GC, il reste très très bon. Attention, vous pouvez toujours ban Hypnose si vous êtes tranquille, mais je pense pas que ce soit un perso prioritaire à aller chercher là, tout de suite, maintenant, surtout avec ce qui va arriver ensuite. On arrive donc au bout de la vidéo, inutile de parler pendant 15 minutes pour vous dire que concrètement, la consigne là, c'est vraiment de pâques. Donc même à tous les Robert qui, qui nous regardent, soyez forts, soyez forts les gars, tenez le coup, c'est pas le moment de craquer. Là vraiment, il faut rester fort et solide sur ses appuis. Sur ce, je vous dis bonne économie à tous et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao